Samuel, c'est la reconstruction. Non pas ces formatrices Tania Sam, je veux dire son plaisir qu'on capable de nous pendant la période pandémie. Alors, question pour vous. Est-ce que le coronavirus a été fait avec vie professionnelle? C'est pour raison ça que vos formateurs ont pris l'initiative pour nous capable poursuivre formation sur ferraillage, maçonnerie chez nous à distance. Dans le période de confinement, ou même étudiants qui sont à l'écran, ou avez des possibilités pour continuer avec le programme. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de connexion et connecteur avec nos formateurs Dorival Wilson. Et surtout, pas oublier respecter les principes hygiéniques à distance sociale. Je dis à mon côté, nous allons parler de connexion. Qui sa connexion est? Connexion, c'est plusieurs chaînages qui sont liés ensemble avec des pièces connecteurs. Il y a plusieurs types de connexion. Il y a connexion en X, il y a connexion en T, il y a connexion en L et il y a connexion continue. Nous allons présenter plusieurs types, nous allons présenter un connecteur. Qui est ce connecteur là? Juste avant de présenter. Connecteur là, c'est lui-même qui permet de faire connexion que nous avons là. Là, nous avons une pièce connecteur en L. Pièce connecteur en L, ça, c'est lui-même qui va le permettre de me faire connexion. Qui connexion? Les m'a fait une connexion avec pièce connecteur en L, les ça m'a besoin 6 pièces en connecteur. Les m'a fait précisément, les m'a fait une connexion, besoin 6 pièces connecteur pour faire une connexion avec pièce connecteur en L. Et m'a présenté l'autre pièce. Connecteur, on a pièce connecteur toujours, qui c'est pièce connecteur en nu. Pièce connecteur en nu, lui-même, lorsque m'a fait une connexion avec pièce connecteur en nu, m'a besoin 4 pièces connecteur en nu. Nous allons dans des formatrices, nous allons expliquer nous qui gens nous capables de fabriquer pièce connecteur en nu et pièce connecteur en aile et qui gens nous allons utiliser. Nous allons ensemble comment nous sommes capables de réaliser pièce connecteur ça qui c'est connecteur en nu. Tout d'abord, il y a trois points essentiels que nous devons connaître. Premièrement, nous devons connaître jamais fait que nous avons servi. Et deuxièmement, nous devons connaître épaisseur chaînage nous. Et troisièmement, nous devons connaître combien de fois pièce connecteur ça a embrassé le chaînage que nous allons utiliser. Ok. Petit A qui dit comme ça que diamètre fait que nous allons servir, nous devons connaître pour qui ça? Pour nous capables de réaliser longueur recouvrement qui c'est 60 fois diamètre. Par exemple, si que ferme va faire connecteur ça c'est fait 1 demi, diamètre qui c'est 12 mm, longueur recouvrement qui c'est 60 fois diamètre, la égale à 72 cm. Longueur recouvrement. Qui c'est 72 cm. Et deuxièmement qui parlait de épaisseur chaînage. Par exemple, moi gagné, moi fait 4 noyaux, 4, 14 par 14. Quand il y a là, pièce connecteur en USA qui a embrassé 3 fois le chaînage, comment que vous allez calculer? Si vous regardez bien là, ça c'est 3 parties qui vont embrasser le chaînage. Et 2 parties, ça c'est longueur recouvrement. Pour calculer longueur développée, ma vie besoin c'est 2 fois longueur recouvrement qui c'est 72 cm plus 3 fois épaisseur 4 qui c'est 14. 2 fois 72 la ban moins 144. C'est 144 cm plus 3 fois 14 qui ban moins 42. Cap égal ensemble avec 186 cm. 186 cm, ça, il représente
longueur développée pour moi capable réaliser pièces connecteurs en USA. Si nous avons utilisé 6 pièces connecteurs en L pour nous capable réaliser connexion noire, dans 6 pièces connecteurs en L, ça est divisé en deux parties. Gayon qui c'est en dedans dehors qui a passé en dedans et dehors chez l'agent et gayon l'autre qui c'est dehors dehors qui a passé dehors chez l'agent seulement en dedans dehors ça gayon qui a plus long que l'autre. Cela veut dire que n'a toujours respecté trois points essentiels ça qui c'est faut que nous connaît épaisseur faire. Faut nous connaît épaisseur chaînage que nous avons utilisé et faut nous connaît tout combien fois connecteur en L ça a embrassé chaînage. Là moi gagné pièce connecteur en L en dedans dehors. En dedans dehors lui-même il a passé en dedans chaînage là une fois, l'a embrassé cadre qui dans chaînage là une seule fois. Comment que vous allez utiliser? Ou toujours faire de même? Ça c'est on fait. Un demi qui réalise, longueur recouvrement qui c'est 63 diamètres qui bon 72 cm. M'a toujours bien besoin c'est 2 fois 72. C'est 2 fois 72 qui c'est longueur recouvrement fait un demi. Plus grain cadre partie cadre ça que il y a embrassé. Étant donné que c'est une seule fois la passer dans cadre là plus épaisseur cadran qui c'est 14 cm. Kounya la m'a gagné 2 fois 72 qui a toujours ban moins 144 cm plus 14. 144 cm plus 14 cm, li a ban moins 158 cm. Alors, longueur développée pour moi capable de faire grain connecteur en L en dedans, dehors, il y a 158 cm. C'est toujours le même processus pour nous capable de réaliser pièce connecteur en L dehors, dehors. Pas jamais oublier, nous devons connaître l'épaisseur FA, diamètre chez l'âge et combien de fois la pembrasser chez l'âge. Connecteur en L dehors dehors lui-même il a embrassé cadre deux fois dehors chaînage. On a toujours besoin d'un bien recouvrement acier 1/2 qui c'est 72 cm. C'est 2 fois 72 plus 2 fois épaisseur cadre. 2 fois 72 cm plus 2 fois épaisseur cadre qui c'est 14. Qu'on y a là 2 fois 72 là ben moins 144 cm. Plus 2 fois 14, là-bas moins 28 cm. L'offre totale 144 plus 28, liba ou 172. Alors, c'est 172 cm qui c'est longueur développée pour capable réaliser pièce connecteur en L dehors dehors. Et pour pièces connecteurs en U lui-même, on a bien besoin de 4 pièces là-dedans. C'est 4 pièces connecteurs en U pour capable faire une connexion et 6 pièces connecteurs en L pour capable faire une connexion. Alors, j'espère que pendant nous la caille nous comprenons tout ça qui t'est parlé aujourd'hui. Hein? Alors, en résumé, nous avons plusieurs types de connexions et nous avons qui ça en connexion et tout. Nous avons une connexion en L, connexion en T, connexion en X. Et puis, connexion continue. Et nous devons aussi gagner différents types de connecteurs qui sont vraiment très importants. Gagner connecteur en U, gagner connecteur en L. En U, nous devons gagner 4 pièces là-dedans. En L, là, nous devons gagner 6 pièces qui sont divisées en 2 parties, qui sont 4 en dedans dehors et puis 2 dehors dehors. Alors, c'était un plaisir pour nous être ensemble avec aujourd'hui et m'espérer nous être connectés pour le prochain cours. Si toutefois nous avons une question, pas négliger écrire nous sur numéro ça qui c'est 37 54 11 53. 37 54 11 53. Toujours songer, respecter principe sanitaire, toujours laver mes mains, pas sortir sans besoin et puis respecter distance. C'était avec nous la bonne construction.